Aujourd'hui, on parle beaucoup de censure hein, dans les médias. On dit qu'il y a un retour à l'ordre moral après cette histoire de Dieudonné. Ça s'était passé ici. On dit que les gens n'ont plus le droit d'aller s'exprimer. Il vous a mis en cause hein, personnellement dans le journal Le Monde. On ne va pas rappeler ses propos qui sont assez orduriers. Vous en pensez quoi de ce retour à l'ordre moral et la mise en cause de Dieudonné vous concernant? Moi, je trouve navrant qu'un artiste qui par ailleurs peut avoir du talent sombre dans un tel naufrage et soit amené à une diatribe qu'on n'a pas entendue, en tout cas avec cette virulence depuis, je ne sais pas, 1934 peut-être, dans beaucoup de pays d'Europe. Voilà. Et puis, par rapport à l'Olympia, enfin tout le monde, bon, on sait qu'après son dérapage dans votre émission, la plupart de son public a commencé à déserter les salles de ses spectacles. L'Olympia, c'est vrai que cet Olympia avait l'air de se prévoir dans un climat de tension assez important. Donc je crois savoir que la direction de l'Olympia est allée trouver l'artiste et lui a dit, voilà, il y a une grosse tension sur ce spectacle, je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité. Mais on voudrait bien que ce soit vous qui preniez en charge cette sécurité, parce que c'est à cause de vos déclarations et de vos dérapages qu'il y a cette tension. L'artiste a refusé de prendre en charge la sécurité, c'est pour ça que le spectacle a été annulé. Il n'y avait pas là un rapport avec la censure. Et quand on sait par ailleurs qu'au niveau des locations de ce spectacle, 3 jours avant, il y avait seulement une moitié de salle qui allait se remplir. Une moitié de salle seulement. Je pense qu'il était en effet préférable d'aller faire un spectacle dehors, dans la rue, gratuit, avec beaucoup de monde, et surtout beaucoup de médias pour en parler, qu'un spectacle à l'intérieur, payant, avec beaucoup moins de monde. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne sais pas, vous avez une question, Ariane, je ne sais pas. Ah non, non, mais sur Dieudonné? Non, sur non, ce non, que non, vous moi, non, moi, je voulais. Non, moi j'avais une question, mais bon. Et puis voilà, puis je voulais. Du coup, ça vient un peu. Et puis, allez-y. Voilà, parce que je suis. On en parle, on va clore le débat, mm-hmm. parce que c'est vrai que j'aurais pu réagir dès le mois de janvier sur les choses qui avaient été dites, mais je pense qu'à un moment donné, c'est une telle recherche de médiatisation et une telle recherche de victimisation que ça prend trop d'importance. Moi je souhaite pas lui offrir une tribune à polémique, donc il n'y aura pas de polémique, je n'en reparlerai plus, c'est fini, c'est terminé, voilà ce que j'avais à dire.